Good morning, Aleiden, et tu seras aujourd'hui l'Eloi Nishmat Amaryona Ben Khanafegi Batester, Zarabat Mazaltoch, aujourd'hui Simon Batloni, Mirkhan Mikov, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Makot, Perek Gimel Mishnah Yud Bet, Keitzad Malkinoto, Kofet Shtei Adav Ala Amud, Eilach Vaelach, Vechazan Akneset Ochez Bilgadav, Im Nikreu, Nikreu, Veim Nifremu, Nifremu. Ad shehu megale et libo. Ve'aeven netuna me'acharav. Chazan haknesset omed alea. Urtsua shel egel beyado. Kefula. Echad lishnaim. Ushnaim le'arba. Ushtei retsuot olot ve'yordot. Notre Mishnah nous explique comment frappait-on. Dans la Mishnah précédente, on apprenait le nombre de makot. 40 coups, 39. Qu'il fallait diviser par un nombre divisible par 3. Et maintenant, on va commencer à apprendre comment concrètement on procédait pour le frapper. Keitzad Malkinoto, comment le frappait-on? Le frappe-t-on? Kofet shtei yadav al ha'amud heilach veheilach. Il lui attache les mains. Ouais, kofet, c'est qu'il lui attache les mains à la hamoud sur un poteau. Heilach veheilach. De par-ci et de par-là. Soit, on va prendre un poteau, c'est plus tellement précisé dans la Mishnah. En fait, il y avait on cherchait un poteau, on installait un poteau qu'on plantait dans la terre d'une hauteur de 2 amotes, l'équivalent de 1 mètre à peu près, et puis on le penchait et on lui attachait comme ça les mains de manière à ce qu'il était penché en biais. Vechazan haKnesset ochez bivgadav, et le Chazan haKnesset, en général, c'est le ministre officiant. Là, c'est quelqu'un qui représentait le peuple, quoi. Le shamash, en fait, d'accord, le trésorier. Le shamash, je ne sais plus comment ça se traduit en français, c'est pas grave. Vechazan haKnesset ochez bivgadav. Et on avait le shamash, celui qui s'occupait donc de diriger la synagogue, le peuple, lui attraper les habits. Et donc, il devait le déshabiller. Il y a une halakha, c'est-à-dire lui arracher les habits du haut. Il y avait une halakha qu'il fallait qu'il ait le corps nu, que la sangle frappe directement son corps et ne frappe pas les habits. Il fallait donc le dénuder, le haut. Et de quelle manière? De manière dégradante. Il lui attrapait les habits et il lui tirait. Et im nikreu, nikreu, s'ils se sont déchirés, ils se sont déchirés. Et ils n'y feraient mou. Et s'ils se sont décousus, ils se seront décousus. D'accord? Hachiou Megalet, il est bon, jusqu'à ce qu'il lui découvre le cœur. Il y a ici, j'ai vu dans le pirouche du Rishon Letzion, il apprend ça, il déduit ça du pasouk, comme il y a marqué dans la fin du verset. Venikla, chicha, le'necha, et ton frère se fera baisser. Il y a une grande règle qu'on ne cherche pas que à le frapper, mais on cherche aussi à l'humilier pour la faute qu'il a faite. Et de ce fait, on inclut dans le devoir de l'humilier le fait qu'on le déshabille comme ça. D'accord? Derrière lui maintenant, Ve'ha'even netuna me'acharav. Derrière lui, qu'on l'avait attaché ici, on posait une grande pierre, un petit rocher quoi. Ve'ha'even netuna me'acharav. Une pierre était posée derrière lui. Ve'chazan haKnesset omed aleya. Et le Chazan haKnesset, donc le fameux Shamash, Omed Alea, se tenait sur elle. Urtsua shel egel beyado, il avait une sangle de bœuf dans les mains. Il fallait qu'elle soit la sangle, devait être en cuir. Excusez-moi, je suis vraiment très fatigué. Je suis endormi sur ma chaise avant de faire le cours, je ne sais pas où j'habite en fait, mais c'est pas grave. Urtsua shel egel beyado. Il avait une sangle de bœuf dans les mains, qui était elle-même kfula echad lishnaim. Elle était repliée, ouais, kafoul, ça veut dire doublée, soit une echad lishnaim, une, on l'a repliée, et ça faisait déjà deux retsuot, et ensuite, ushnaim l'arba, ces deux-là, on les repliait encore sur elle-même. Donc en fait, on avait une sangle qui était composée de quatre sangles, qui est en fait la même. Replier une fois, puis une deuxième fois, ça fait 4. Et à part ça, ushtei retsuot olot veyordot ba. Et à part ça, il y avait en plus de ça, deux autres sangles
d'âne, de cuir d'âne, qui devait, Olot Veyordot Ba, qui montait et qui redescendait. Soit, tel que je comprends, il y en a qui expliquent comme ça aussi, c'est que il y avait donc quatre sangles relativement étroites de bœuf, de cuir de vache, et puis ensuite, il fallait prendre deux sangles de cuir d'âne, et on reliait les quatre sangles de cuir, d'accord ? On les faisait passer dans le sens, comme quand on tisse la trame et la chaîne, on faisait la même chose, avec la chaîne en cuir, et elle en cuir de bœuf, et la trame, pour les fixer ensemble, on faisait passer la sangle de cuir d'âne. Pourquoi le bœuf et pourquoi l'âne ? Il y a en cela une allusion à un pasouk qu'on lit dans la Haftarot d'avant Tisha B'Av. Yada shor koneu vachamor ebus ve'alav. Le verset Hachem reprochait aux Bnei Israël. Il leur disait qu'ils étaient pires que les animaux. Même un taureau, yada shor koneu. Le taureau connaît son propriétaire. Vachamor ebus ve'alav. Et l'âne, c'est repartir manger dans l'assiette de son propriétaire. Ouais, le hivus, c'est l'endroit où est-ce qu'on met le foin, les graines, pour donner à manger aux animaux. Et Hachem, il en dit, c'est-à-dire, même les animaux, ils savent reconnaître leur propriétaire, ceux qui leur donnent à manger, ceux qui les entretiennent. Et vous, Chas v'Shalom, vous ne me reconnaissez pas. Par allusion à ce verset, où on leur dit qu'ils sont pires que des animaux, pires qu'un taureau et pires qu'un âne, alors, les Chachamim ont dit, eh ben, on va faire une sangle avec du cuir d'âne et du cuir de bœuf pour lui dire t'es pire que ça, d'accord, puisqu'il transgresse la Torah, alors on le frappe avec ça. On a fini la Mishnah, on fait à présent le Bartanoa. Allah Hamoud, il fallait l'attacher sur le poteau Sheu Naoutz Bakarka, qui était planté dans le sol, dans la terre, Vezakouf Vegavoa Kedeleishaen Alav, et il était assez haut. Il était dressé assez haut que pour que l'on puisse s'appuyer dessus. Excusez-moi. Vechazan. C'est quoi le chazan? C'est shamash. Le shamash qui sert comme à la synagogue, celui qui vient, qui nous sert, qui place chacun, qui donne le livre à chacun, c'est le shamash. Shaliach bet din, l'émissaire du bet din. Nifremu, c'est quand il lui déchire les habits, qu'il lui a arraché les habits, im nifrem aussi se sont décousus. Nikreu chute atvira. C'est-à-dire que les coutures se sont craquées, mais pas le tissu lui-même. Et il y avait derrière lui, Meachorav, une pierre. Meachorav, shalaloke. Derrière celui qui se faisait frapper. Urtsua, shal egel. Une sangle de bœuf. Shenemar, arbaim yakenu. Vesamirle, lotarsom, chorme des choses. Tout d'abord, on apprend que la sangle qui frappe, elle est en cuir. C'est pas juste sa position. On t'a dit qu'il faudra le frapper 40 coups. Juste après le pasouk, qu'on avait vu dans Kitavo, Khafhe. Alors le pasouk qui suivait, c'était le tarsom shorbe d'ichot, tu ne muselleras pas un taureau lorsqu'il bat le blé. Et donc on apprend qu'on frappe avec la peau du taureau. Kfoula l'ishnaïm, l'ishnaïm l'arba, replié sur elle-même, en deux, et les deux en quatre. Dalet retsuot, tforot zol gavzo, soit, si on traduit ça en bon hébreu, ça fait quatre sangles, quatre petites sangles de cuir de vache, de bœuf, cousues ensemble, une à côté de l'autre. D'accord ? Vechter retsuot, à part ça, deux autres sangles, dakot, shalchamor, plus fines, qui étaient de cuir d'âne, olot veyor dotba, elles montent, elles descendent, c'est-à-dire qu'elles les rattachent, ken kilkeli shel ukaf. Je ne sais pas ce qu'est ce kilkeli shel ukaf, c'est-à-dire c'est sur la selle. Lorsqu'on fait une selle, on mettait là-bas du cuir, apparemment c'était fait de cette manière. On tissait des sangles de cuir, apparemment. Vetahama est la raison de cette instruction d'utiliser du cuir de bœuf et d'âne. Pourquoi ? Mishum dirtiv yada shor konehu vachamor evus be'alav. Le taureau connaît son propriétaire et l'âne reconnaît l'assiette, le pot de son propriétaire de nouveau. Amar HaKadosh Baruch Hu, Hashem a dit, Yavo mi shemakir evus be'alav, que vienne celui qui sait reconnaître
son propriétaire, qui lui donne à manger, qui l'entretient. Veifra mimi sheno makiv veipara. Veifra, je peux vous lire. Veipara mimi sheno makir et vous bealam et qu'il se fasse encaisser de celui qui ne sait pas reconnaître son propriétaire. C'est-à-dire, eux, ces animaux savent reconnaître naturellement leur propriétaire qui leur fait tellement de bienfaits, alors que eux viennent et corrigent ce juif qui n'est pas capable d'accomplir la Torah et les mitzvot comme il faut, puisqu'on est en train de le frapper pour ça, et qui viennent donc le reprocher. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.